Salut salut les amis j'espère que vous allez bien et bienvenue faire de plus une nouvelle vidéo je suis déçu par la contre-performance de nos lions indomptables nous avons été tenus en échec de la pi des manières face à cette équipe de Guinée que je trouvais vraiment abordable étant donné qu'ils étaient en infériorité numérique pratiquement pendant 45 minutes et il y a aussi le fait que le Sénégal était dans la même posture que la nôtre et elle a répondu présente en s'imposant largement sur la Gambie. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. Toutes ces actions permettent de mettre la chaîne en avant dans le référencement et je peux également ne pas dire tout dans la vidéo dont j'attends vos réactions en commentaire. Je vais d'abord saluer ici la détermination des joueurs guinéens qui ne se sont pas laissés à bas, qui ont bien joué et qui étaient obligés de garer le bus. Il n'y avait vraiment pas d'autre solution. Malgré cela, ils ont mis le camo et ils se sont créés beaucoup de situations également. Nous avons constaté que Mukundi a eu à avoir un carton jaune. Si ce n'était pas la sortie de leur capitaine, le match, je pense que ça allait vraiment être toute chose. Bravo à eux. Maintenant, nous allons revenir normalement à l'équipe nationale par rapport aux 11 ans qui ne m'ont vraiment pas inspiré. Rigobert sont pour moi M. mettre dans des situations vraiment inconfortables. Comme est comment est-ce que tu peux prendre un puits neuf, tu le mets en tant que élite, Droit qui n'a jamais joué à ce poste, même en club, et pour une entrée en lice comme ceci. Et je dirais que c'est un gros risque pour rien. Le côté droit fait des joueurs qui ne sont pas du tout à leur poste de vocation. De vocation pardon Et comment espères-tu gagner un match avec cela, étant donné que tu as? Des joueurs à ta disposition sur le banc de touche comme Gamaleu et tu persistes sur Cassetto alors que nous avons vu un de également sur le banc de touche. Sans vous mentir, le staff tennis est nul et beaucoup vont tirer euh, sur Rigo Je ne suis pas d'accord avec cela. Tous ont leur responsabilité sur cette défaite. tout Kambi, que d'ailleurs, moi, particulièrement, chaque joueur ici là que j'ai critiqué, qui n'est pas à l'aise en sélection sur le côté droit, euh, sur, en pointe, en club, ça passe, mais. En Sélection, son côté de, de Providence, je pourrais dire que c'est en tant qu'il est tout gauche, malgré qu'il n'a pas fait de top performance tu le place en pointe et qui d'ailleurs était perdu durant tout le match. Pour moi, je vous ai dit ici, tant que Toko Kambi ne, euh, ne doit vraiment plus faire partie des, des 11 entrants sur cette équipe, c'est vrai qu'il nous a sauvés par rapport à cette carrière du face à l'Algérie pour la Coupe du Monde. Normalement, Rigo Bresson devait prendre ses responsabilités en le plaçant sur le banc de touche, au moins ce. Et je, en sa place et lieu, je voyais vraiment Faris. Et c'est vraiment hallucinant. Ça me fait... Ça, c'est vraiment le plus gros flop durant ce match. Nous avons presque fait une bonne performance en première mi-temps malgré cette erreur grave de kemen On va beau le critiquer et... Nous savons que c'est un jeu à vocation offensif et non défensif vu la boulette commise qui occasionne ce but. Et je ne peux vraiment pas en vouloir on doit également sur cette action. Je n'ai vraiment pas compris le changement de son. Moi, je voyais bien un franc Mari en attaque en place de Tokyo Kambi et l'ancré de Gamaleu à la place de Marguerite. Et ça n'a vraiment pas été le cas. Rigobertson a décidé de passer sur un système de 4-2-4 avec 4... Attaquants et deux milieux de terrain et quatre défenseurs. Et si tu as décidé de jouer sur les 5, tu sais bien que Castellito n'est pas deux sur cela. Mets-nous un Enzo ou alors un Tiamandé une fois de plus. Tu persistes toujours dans la bêtise. Brian va vraiment nous manquer durant cette compétition. C'est le joueur capable de créer un contre un ou de créer des espaces et je ne vais pas. J'étais le but de Franck Marie, mais c'est la réalité des choses. Le seul jeu ayant fait une bonne prestation pour les Lions ici, c'est Koudou. Le seul point positif où nous avons vu que coups Koudou était le seul responsable sur les coups de pied arrêtés. C'est ce que j'ai vraiment apprécié. J'ai l'impression que les gars ont travaillé sur cet aspect à l'entraînement. Pour moi, c'est ce une défaite et personne ne vient aider. un port, le porteur de balle, Dalin n'était vraiment pas au rendez-vous. Tout cela à cause du milieu de terrain auquel moi particulièrement je comptais et je me suis rendu compte que ces gars tous étaient à vocation offensive personne entre guillemets ne barrait si je peux le dire ainsi nous avons un également en olivier thiam qui n'était pas du tout présent pour une fois pour une fois j'ai vu un zabo anguissa qui a quand même pris ses responsabilités